Il n'y a plus d'espoir, sire. Nous sommes battus, sire. Pendant 20 ans, nous avons suivi votre majesté. Vous avez tracé à travers l'Europe une route de gloire. Nous ne pouvons même pas sauver les faubourgs de Paris. Les Autrichiens sont à Versailles. Les Cosaques font boire leurs chevaux dans la Seine. Les canons des Prussiens s'entendent de Montmartre. Il y a 4 pays contre nous. 4 armées. Il faut se battre sur 4 fronts. Abdiquez. Vos ennemis vous accorderont de vous retirer à l'île d'Elbe avec une garde personnelle de 1000 hommes. C'est un exil honorable, sire. L'abdication est la seule issue qui vous reste. Signez, sire. Il faut que vous signiez. Pourquoi? Pour que vous conserviez tous les titres que je vous ai donnés? Qui est-ce qui vous a tiré de votre néant? C'est moi. Il faut que vous abdiquiez, sire. Sire. Écoutez-moi. Ce que je méprise au-delà de toute expression, c'est la gratitude. Que puis-je tenter d'autre? Que me reste-t-il? J'ai offert à l'empereur de Russie de faire la paix. Il a repoussé mon offre. Quelle marge avons-nous? Que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Il faut se battre! Se battre! Je fortifie Paris. Je dégage les troupes d'Autriche. Je me retire en direction de l'Italie. Et par-dessus tout, il faut se retrancher, mobiliser, mobiliser! Entraîner les recrues au combat! Majesté, il n'y a plus personne à recruter. Et l'armée ne veut pas que Paris subisse le même sort que Moscou. Wellington. Wellington. Pourquoi toujours Wellington? Wellington, 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 Wellington. Pourquoi avez-vous tous peur de Wellington? Est-ce parce qu'il vous a battu en Espagne, c'est pour ça? La France ne vous suivra plus. La France me suivra comme toujours jusqu'aux étoiles si je lui donne une autre victoire. Sire, vous n'avez plus le choix. Renoncez au trône, il faut abdiquer. Oh, nez, le trône. Vous savez ce que c'est que le trône, nez? Le trône. Ce n'est qu'un fauteuil sous un dais lourdement décoré. C'est ce qui se trouve derrière le trône qui compte. Mes pensées, mes ambitions, mes désirs, mes espoirs, mon imagination. Et par-dessus tout, ma volonté. Je n'en crois pas mes oreilles. Vous vous tenez devant moi, brandissant une feuille de papier, écrivant « abdiquer, abdiquer ». Il n'en est pas question! Pas question! Pas question! Son armée.
Quand? Ce matin. Il ne reste plus rien d'autre à faire. Abdiquer. Le maréchal Marmont s'est rendu aux Autrichiens avec son armée. C'était la dernière chance de l'empereur. Garde, après 20 ans, je viens vous dire adieu. La France a capitulé. Aussi, ne m'oubliez pas. Hélas, je ne puis donner l'accolade à tous mes grognards. J'embrasse votre étendard. Vous ne m'oublierez pas. Adieu, mes fidèles soutiens. Adieu, mes compagnons. Adieu, mes chers soldats.
Majesté, le monstre s'est échappé de l'île d'Elbe. Prions Dieu qu'il soit assez fou pour débarquer en France. Évitons de dramatiser. Napoléon et sa petite escorte, un millier d'hommes, ne sont pas très dangereux. Encore. Monsieur le maréchal Soult, vous conserverez le commandement de la garnison de Paris. Monsieur le maréchal Ney, c'est vous qui le premier aurez à affronter l'usurpateur. Je sais que vous l'aimez. Dans le temps, je l'aimais. Mais je promets à votre majesté de ramener le monstre à Paris dans une cage de fer. Comme ils exagèrent, tous ces militaires, dans une cage de fer. Personne n'en demande tant. Soldat du 5e de ligne. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas? Si vous voulez tuer votre empereur, tirez.
Suivez-moi vers Grenoble. Ça va? Alors montrez-vous aussi, monsieur le maréchal. Jamais je n'oublierai votre visage quand vous vous teniez devant moi à Fontainebleau me demandant d'abdiquer. Si je l'ai fait, c'était pour la France. Je sais ce qui convient à la France. Je crois que vous avez fait une promesse au roi. Oui, sire. À propos d'une cage. Oui. Rappelez-moi donc la phrase exacte. J'ai dit que je vous ramènerai à Paris dans une cage de fer. C'est ce que j'avais entendu dire. Il faut que les Bourbons soient chassés du trône! Louis XVIII a bafoué l'honneur des Français! À bas les aristocrates! Bandez les traîtres! À bas les Bourbons! Les aristocrates à l'enterre! Peut-être que le peuple me laissera partir. Comme il l'a laissé venir. Thank you.
Molien, Molly, Boucher, venez me voir dans une demi-heure. Nous avons un petit problème à résoudre. Lequel, sire? Lequel? Quand la France se réveillera demain matin, il faut qu'elle ait un gouvernement. Gros. Sire. Une confidence à vous faire. Ce qui pour moi fait la valeur d'un homme, c'est la fidélité. La fidélité. Et vous êtes d'une espèce qui se fait rare, loyale et sincère. Puis-je compter sur vous? De tout mon cœur, sire. Merci, Drô. Monsieur le maréchal Soult, je vois que vous avez reçu mon invitation. Oui, sire. Vous n'êtes plus ministre de Louis XVIII, d'après ce que je crois savoir. Cela va de soi, sire. Cela va de soi, Soult. Silence! Je vous nomme chef d'état-major. Vous acceptez? J'accepte, sire. J'en suis heureux. Tout est bien qui finit bien. Madame, votre fils Ferdinand s'est tué en tombant de cheval au cours d'une revue. Non, non, non. Il faut que Moreau continue. Nous avons besoin de conscrits. Il faut les former. Il faut battre leur appel dans toutes les régions. Signature. Votre fils était un homme de devoir, persévérant et courageux. Comme je regrette, madame, que le destin n'ait pas eu plus de discernement. À Sa Majesté impériale, le tsar Alexandre. C'est une erreur de dire que j'ai usurpé la couronne. Je l'ai trouvée dans le ruisseau. Et je l'ai ramassée. Ramassé. Et ensuite, c'est le peuple et lui seul. C'est le peuple qui l'a mise sur ma tête. Celui qui sauve une nation ne viole aucune loi. À ma femme bien-aimée, je voudrais que vous intercédiez auprès de votre père, l'empereur d'Autriche qui fut mon ennemi, pour que l'on me rende mon bien le plus précieux, mon fils. Au prince régent d'Angleterre, Votre Altesse royale a été mon ennemi le plus généreux pendant plus de 20 ans. Maintenant, je veux la paix. La paix. En conséquence, je m'élève contre la présence du duc de Wellington. Et mon avenir. Et je préférerais le voir mort qu'élevé comme un prince autrichien à la cour de Vienne. Ils ont osé. Ils me dénoncent comme ennemi de l'humanité. Toute l'Europe part en guerre contre moi. Pas contre la France, mais contre moi. C'est un honneur qu'ils vous font, sire, de vous assimiler à une nation. Un honneur! Un honneur dont
dont je me passerai facilement. N'importe quel imbécile peut m'assassiner, il sera absous. Quelle nouvelle attend de Wellington? Toujours à Bruxelles, sire. Toujours avec le vieux Blücher? C'est eux qui nous déclarent la guerre. On le leur fera payer. Oui, on le leur fera payer, et puis je signerai la paix sur le cadavre du duc de Wellington. Ce sera la plus belle des paix. Monsieur le maréchal Soult, sire, il dit que c'est urgent. C'est toujours urgent. Faites entrer le maréchal. Les armées de Wellington et de Blücher se sont séparées, sire. Séparées? Oui, sire. Séparées? Oui. Je me demande ce que l'histoire dira de ces hommes. Voilà mon plan. Nous allons surprendre Blücher à droite et après nous foncerons sur Wellington, Soult. Oui, sire. Une offensive est claire. Oui, sire. Je les désorganise. La victoire dépend de cette première bataille, comme à Marengo. Merci, Soult. Donc Gordon était sous les armes pour mon inspection ce matin. Alors j'ai chevauché d'avant en arrière, de long en large, et j'ai pu ainsi faire mon choix. Maman, vous choisissez les plus forts. En vérité, vous êtes le meilleur de mes généraux. Le seul devoir des dames, c'est de suivre les tambours. Cette année, la mode est aux militaires. Qu'est-ce que la bonne société deviendrait sans mes hommes?
Ils sont l'honneur de l'Angleterre, Arthur. Lally. Ce ne sont que des brigands et des canailles. Tous sans exception. Le djinn est l'âme de leur patriotisme. Vous comptez cependant qu'ils mourront pour vous ? Mm-hmm. Par devoir ? Je crois que Bonaparte lui-même n'entraîne pas les hommes par devoir. Ah, mais ce n'est pas un gentilhomme, lui. Arthur, vous êtes anglais jusqu'au bout des ongles. Son chapeau équivaut à 50 000 hommes sur un champ de bataille. Mais ce n'est pas un gentilhomme. Ah, Sarah. Bonsoir. Votre grâce. Nous serons à Paris. Laissez-moi voir Napoléon. Je ne m'approcherai pas trop de lui. Maman l'admire. J'avoue que j'ai un petit côté bonapartiste. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Que c'est un monstre? Il se nourrit de lauriers. Et s'abreuve de sang. J'aimerais savoir, mon cher Arthur, quand vous vous aventurerez dans sa tanière. J'attends qu'il m'y invite. Tout dépend encore. Traversez la rivière. Demain, nous sécherons nos bottes à Bruxelles. Si Dieu le veut, sire. Quoi? Dieu n'a rien à voir là-dedans. Veillez sur l'existence du jeune Hay, Arthur. Des questions de mariage? Je ne veux pas que Sarah porte une robe noire avant d'en avoir porté une blanche. Maman, Dicky va me rapporter un casque de dragon comme corbeille à ouvrage. Un qui n'aura pas de sang, maman. Et un pour moi, mais le mien... Jeune homme avec des français, où comptez-vous le pourfendre? Général, sous le bras droit, je pense. Comme son projet est au point. Quand vous affronterez un dragon, genou contre genou, vous remercierez le ciel. Si vous parvenez à en sortir vivant, ne vous occupez pas de son casque. Les Français vous enseigneront l'art de se battre. Croyez-moi, mon petit. Madame, permettez-moi de me retirer. Je n'ai jamais vu un tel ensemble de foutriquets. Le général Picton ne sait même pas traverser une salle de bal. Mais il est remarquable quand il danse avec les Français. Mais quand il danse avec eux, c'est en pleine campagne.
Lucien. Je... Vraiment? La présence de ce Prussien va gâcher la soirée. Veuillez m'excuser. Votre grâce, Napoléon... Je suis informé, Muffing. Napoléon a franchi la frontière. Avec le gros de ses forces, il est arrivé à passer entre nos armées. Où ça? À Charleroi. Charleroi. Désirez-vous que j'interrompe le bal, Arthur? Non, 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 évitons d'alarmer. Les officiers retenus par les dames continueront à danser. Lord Hawksbridge, faites partir immédiatement vos cavaliers vers Charleroi. Picton, votre division se mettra en route cette nuit. Oui, général. Charleroi. Suivre l'armée, Willy. Le duc l'autorisera. Il l'a autorisé en Espagne. Il y a si peu de temps que nous sommes réunis. Mais Madeleine, un champ de bataille n'est pas... J'ai peur de ne plus jamais vous revoir. Sur son flanc droit et vous sur son flanc gauche, je ne vois pas comment il pourra... Il aurait dû venir par Mons, en toute logique. Rien n'était plus subtil que Charleroi. Il m'a mystifié. En une nuit de marche, il a séparé les forces adverses. Il faut reconnaître que c'est une victoire qu'il a remportée à peu de frais. Si le maréchal Blücher reste en Belgique, moi, j'y reste aussi. Avec cette promesse, monsieur le duc, le maréchal Blücher attacherait ses hommes aux arbres si c'était nécessaire. Il y a quatre routes ici. Les quatre bras. Il est obligé de passer par là. Si nous ne pouvons pas l'arrêter là... Je l'arrêterai ici. Charleroi. Par Dieu, cet homme honore l'art de la guerre. Jamais très beau à regarder un champ de bataille. Néanmoins, il y a eu 16 000 Prussiens tués. C'est une nouvelle à afficher sur les murs de Paris. Wellington se replie. Je l'ai attrapé aux quatre bras. Il va en retraite. S'il va en retraite, que faites-vous ici? Je suis venu vous en informer. Si Wellington va en retraite, que faites-vous ici? Pourquoi ne le suivez-vous pas? Pourquoi ne le harcelez-vous pas? Où sont les renforts que vous aviez promis? Exécutez les décisions que je prends. C'est valable pour tout le monde. Rendez-vous compte que si Wellington peut choisir son terrain, tout ce que j'ai gagné dans cette campagne, vous l'aurez perdu! Monsieur le maréchal, le centre est enfoncé. J'ai ordonné la retraite. La retraite? Je suis un homme de 72 ans et j'ai mon orgueil de soldat. Cette lame, c'est ma parole. Je suis trop vieux aujourd'hui pour la rompre. Si Wellington court vers la côte, aucun de nous ne rentrera à Berlin. La route logique, c'est Namur. Je n'ai aucune confiance dans les Anglais. Néanmoins, comme j'ai déjà servi sous vos ordres, monsieur le maréchal, j'ai ordonné de faire retraite en direction de Vavre. Vous pouvez encore coopérer avec Wellington, mais s'il ne reste pas sur ses positions, que Dieu nous aide. Grouchy. Gérard. Prenez 30 000 hommes. 30 000 hommes, le tiers de l'armée du Nord. Avec ces hommes-là, vous pourchasserez, vous entendez, vous pourchasserez Blücher, vous l'empêcherez de rejoindre Wellington, vous les empêcherez de se fortifier et par-dessus tout de se réunir. M.
Mais il y a 10 chemins différents. Et quelle direction Blücher va-t-il choisir, sire? Vavre, Namur ou... Blücher n'a aucune raison d'éparpiller ses forces. Nous le trouverons certainement sur une seule route. Ça suffit assez! N'ayons pas de dissentiments. Les dissentiments ne conduisent qu'au désastre. Je compte sur vous. Rocher, Gérard. Vous pouvez aller. Allez, allez, allez. Ce vieux Blücher. Quelle belle fessée, une retraite de 25 km. Donc, reculons aussi. On continue à aller par là. Jusqu'où? Aussi loin qu'on peut marcher. Je suppose qu'en Angleterre, on dira que nous nous sommes fait rosser. Je sais, qui puis-je? Ah, c'est de la folie, c'est de la folie. Ils savent ce qu'ils font. Et moi, j'arrêterai pas de le dire. Si Napoléon a botté les fesses des Prussiens, à quoi ça rime qu'on fasse toute cette marche? Une armée qui doit battre en retraite n'a jamais de tendresse pour celui qui la commande. Oui, mais dès le premier coup de feu des Français, ils retrouveront vite leur entrain. Très joli, les entrechats de vos soldats. Ah, ils s'en foutent vraiment fort avec des baïonnettes, Wellington. La viande est des œufs depuis le berceau et en plus un citron par mois. Tous viennent de mes terres, c'est moi qui les ai élevés. Et beaucoup devraient m'appeler plus que colonel. Ah, en vérité? Ça doit être toute l'armée. Ils sont en train de prendre position, sire. Il ne faut jamais empêcher l'ennemi de faire une boulette. Ce n'est pas bien élevé. Cette position est mauvaise, votre grâce. C'est très malsain d'être adossé à ce bois. Si nous sommes forcés de nous replier, cela formera une sorte de mur. Et toute l'armée risque fort d'être taillée en pièces. Il n'y a pas de broussailles dans cette forêt. Il est possible d'y cacher une batterie. Et toute une armée s'y faufilera comme la pluie à travers une grille. Regardez. C'est un suicide, à mon avis, votre grâce. Vous serez peut-être étonné de savoir, Picton, que j'avais reconnu ce terrain il y a un an. J'en avais conservé un souvenir précis. Ce n'est pas un élève de César. Il a choisi une mauvaise position. Il est adossé à un bois. Nous ne le provoquerons pas. Il va peut-être déguerpir dans la nuit. Viens, viens. Tu flaires le chemin qui te mène droit dans la marmite, hein? Voilà. Écoute, sois bien sage et je ne te mangerai pas en entier, c'est promis. Excusez-moi, général, mais si vous mettiez les troupes dans le secret, elles reprendraient confiance. Si je pensais que mes cheveux savent ce qui se passe dans ma cervelle, je les raserais et je porterais perruque. Voilà ce vieil Arthur. Debout, les gars. Vos vieux amis, général. Ah, les Inniskillings. C'est chez eux que j'ai fait pendre et fouetter plus de soldats que dans toute l'armée réunie. Bonsoir. Bonsoir. C'est une belle nuit, général. Enlevez votre havresac. Moi, général? Vous, soldat. Voilà. Ouvrez-le, soldat.
Oui, oui, général. Oh, 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 Seigneur. Ah, Seigneur, alors je savais bien que j'avais dans le dos un drôle de truc qui me grattait. Ah. Où avez-vous acquis ce butin? Ça, général? Ça, celle-là. Oh, ah non, mon général, c'est ce butin qui a fait l'acquisition de moi, général. Vous connaissez la peine pour pillage, soldat? Suppression du djinn, général. La mort, soldat. Général, j'ai l'honneur de vous faire savoir que cet enfant de cochon s'est perdu et que j'essaie de trouver ses parents angoissés, général. Mmh. Eh bien, voilà un garçon qui sait défendre une mauvaise position. Vous le nommerez caporal. Entendu, votre grâce. Vole une chèvre la prochaine fois et tu seras sergent. J'ignore l'effet qu'ils produiront sur l'ennemi, mais bon Dieu, moi, ils me font peur. Ah, quelle sale nuit. Que sera demain? Voyez-vous, Delancey, votre grâce, si demain j'échoue, Dieu aura, je l'espère, pitié de moi. Mais je pense qu'il sera le seul. Pourquoi reste-t-il là? Quelle raison a-t-il? A-t-il perdu sa prudence habituelle? Il y a certainement quelque chose que je ne comprends pas. Si seulement Blücher pouvait distancer Grouchy et m'apporter le soutien ne serait-ce que d'un corps d'armée. Les Prussiens. Tout dépend des Prussiens. Pourquoi est-ce que Grouchy ne fait que 10 km par jour alors que j'en fais 15? La boue nous aiderait bien sur cette pente. Oui, mais l'état des routes pourrait ralentir la marche de Blücher. Et tout serait perdu. Fais-tu savoir que l'état des routes est exactement le même pour tout le monde? Exact? Exact? Oui, sire. Dites-lui d'aller plus vite, monsieur le maréchal. Vous pouvez livrer votre bataille, vous pouvez la livrer. Où est Grouchy, avec ses 30 000 hommes? Il nous suit, monsieur le duc. Il n'est pas parvenu à nous séparer. Hé, hey, quelle heure est-il? Je crois qu'il est plus de 2 heures, votre grâce. 2h10, votre grâce. Général Muffing, désolé, mais hélas, il faut que vous repartiez cette nuit. Ayez l'obligeance de me donner un cheval frais. Je supplie le maréchal Blücher d'arriver à Waterloo demain à 1h. Vous voyez, Exbridge, il est possible que maintenant, Grouchy vire et passe entre nous. Et attaque les Prussiens en marche et tirer sur la route. La seule chose qui nous resterait à faire serait de dénombrer nos morts. Avec un risque pareil, est-ce qu'on peut compter sur Blücher? Il faut que nous comptions l'un sur l'autre, Exbridge. Messieurs. Hey, à qui avez-vous donné votre montre? À Somerset. Vous pensez être tué demain? Je déteste ce genre d'idée. Ces pensées, mon petit, ne peuvent qu'attirer le malheur. Reprenez votre montre. Demain, je vous demanderai l'heure toutes les 5 minutes.
sire, est-ce que je dois appeler le docteur Larrey? Est-ce que je dois aller le chercher? Non. Non. C'est inutile. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que... Cette pluie cessera-t-elle jamais? On est au moins 140 000 hommes. On n'est pas à la moitié de ça. Mais si, en comptant aussi les Français. 140 000 hommes, et il y en aura 40 000 de morts demain. Et mange ta soupe pendant que t'as encore un estomac. Eh, dis donc, t'as vu? On a un nouveau caporal. Bonjour, caporal.
Il ne daigne plus causer avec des gens comme toi et moi. Dis, t'as eu du jambon à ton petit déjeuner? Bonjour, Ramsay. Bonjour, Dave. Quelle nuit affreuse, hein? Bonjour, messieurs. Bonjour, sire. Bonjour, sire. Celui-ci. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous allez bien, sire? Les jours se suivent. Aujourd'hui, je me porte comme un charme. À table, messieurs. Je crains que cet après-midi, vous ayez tous besoin de serviettes plus grandes. Nous attaquerons à 9 heures. L'état du terrain? Il ne sera pas sec avant midi, sire. Ce n'est pas la première fois qu'on se battra avec de la boue sur nos bottes. C'est exact, c'est exact. Qu'est-ce que c'est? C'est dimanche, sire. Le curé de Plancenoit ne renoncera pas à sa messe. Il n'y aura pas foule de paroissiens ce matin. Sire, nous avons besoin de 4 heures. Le terrain est trop mou, il est impossible de faire avancer l'artillerie. Si j'avais attendu 4 heures, j'aurais perdu la bataille d'Austerlitz. Wellington ne nous retiendra qu'une heure, surtout avec le ramassis placé sous ses ordres. Anglais, brunswickois, néerlandais, Dieu sait quoi encore. Sire, je ne réponds pas de l'artillerie. C'est vous qui êtes l'artillerie, Drouot. Si nous pouvions attaquer à midi, cela vaudrait mieux. Les batailles se gagnent ou se perdent en moins d'un quart d'heure. Sire, si Wellington était sur le point de partir, je vous dirais, allons-y. Mais il est installé, et la boue joue en sa faveur. En sa faveur. Bridge. Comme j'assumerai le commandement, au cas où quelque chose arriverait à votre grâce, quels sont vos plans? Battre les Français. Thank you.
Ils ont le sens du théâtre, ces Français. Regardez-moi cette parade. Musique et drapeau. Quel spectacle magnifique. Vous avez de la chance, Hay, de voir une telle splendeur pour votre baptême du feu. C'est le monstre. Ainsi, voilà le génie qui a servi l'Europe. Votre grâce, Napoléon s'est avancé à notre portée. Me donnez-vous la permission de tirer? Je vous l'interdis. Les commandants en chef ont beaucoup mieux à faire que de se tirer dessus. Amical, n'est-ce pas, Delancy? Mais c'est tuant. Dois-je leur ordonner de se taire? Non. Non. Soyons indulgents. Tolérons ce qui leur fait passer le temps. Soyons indulgents. Je n'aime pas les acclamations en général, mais il faut quelquefois jouer aux cartes avec le diable. Je vous serai reconnaissant de m'annoncer. Et le gaillard qui étrille les Français. Et le gars qui a le nez creux. Moi, je n'ai pas besoin d'un cheval blanc pour me faire mousser. Qui fait un pied de nez au maréchal Ney? Qui a donné la fessée à Jeannot le Français? Elle est le bête qui perce le cul de Bonaparte. Qui fait foutre le camp aux Français? Quel est le gars qui a le nez creux? Quel est le gaillard qui étreint les Français? Qui est-ce qui botte le cul de Bonaparte? Sortez-moi de là, sortez-moi de là! Drouot avait raison. Cette boue peut nous faire beaucoup de mal. Le seul ennemi que je redoute, c'est la nature. De nouvelles instructions, sire? Non, je ne modifie pas celles que je vous ai données. On peut déduire de la position des canons qu'il a renforcé son aile droite. Donc, c'est qu'il se méfie de son aile droite. Bon, alors, c'est de ce côté que nous allons le taquiner. Nous ferons une opération de diversion. Nous taquinerons son aile droite. Si ensuite il dégarnit son centre pour soutenir sa droite, alors,
alors je connaîtrai le calibre de cet aristocrate anglais. Mes amis, à la victoire. Hey, vous avez un excellent tailleur. Denmore et Lopes, à Saint-James, votre grâce. Vous me le rappellerez, Delancey. J'aime que mes officiers soient bien habillés, face à l'ennemi. Les bagages contenant mon uniforme ont été égarés, votre grâce. La bédoyère. Oui, sire. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, sire, j'ai un petit garçon. Un petit garçon, pas plus haut que votre botte. Aujourd'hui, voudriez-vous la voir à vos côtés? Oui. Et pourquoi? Il vous verrait, sire. Réellement? J'ai un fils, moi aussi. Je donnerais n'importe quoi pour avoir la joie de le voir. Je donnerais mon cœur, je donnerais ma vie, mais... pas ici. Je ne voudrais pas qu'il voie la bataille qui va s'engager. Le gros de ses forces est derrière cette colline. Ce qu'il me montre, ce n'est qu'une façade. Il est rusé, très rusé. Bon, nous verrons bien. Commençons l'attaque ici, à Hougoumont. Messieurs, c'est l'ouverture du bal. 11h35 minutes, votre grâce. Messieurs, je vous remercie. Regagnez vos positions. Regagnez vos positions. Hey!
Napoléon a engagé la division du général Foy. Il a l'intention de nous tourner sur la droite. Ce qu'il paraît entreprendre à l'heure actuelle n'a certainement que peu de rapport avec son projet véritable. Nous pouvons rapidement faire descendre le 95e, votre grâce. Je n'ai pas l'intention d'agir comme une poule affolée qui court dans tous les sens. Nous avons du temps devant nous. Pas bougé. Maintenant, il est temps de faire donner l'artillerie sur Picton. J'ai l'impression que c'est vous qu'il va attaquer, Picton. Je n'ai jamais vu des canons se mouvoir avec cette facilité. Ils déplacent des canons comme si c'était de simples pistolets. Je crains que la brigade de Bylant ne puisse tenir. Oh, peu importe. Elle pourra toujours les retarder. À condition qu'elle ne détale pas à toute vitesse. S'avance de la même manière qu'autrefois. Oui, et il faudra les affronter de la même manière qu'autrefois. Cette fois-ci, nous aurons intérêt à nous montrer prudents. Vite votre gin pendant qu'il en est encore temps. Les Français vous le feront rendre dans un instant de toute façon. Dick. Non, merci. Allez, bois un bon coup. Offert par sa gracieuse majesté. Fais-moi penser à la remercier quand on ira en visite au palais. Est-ce que tu crois que les Français sont nombreux? Sous Paul bon Dieu, je vois pas à travers une colline. On dirait que c'est l'enfer tout entier qui remonte à la surface et qui s'avance vers nous. Et rien ne me fout le trac à moi comme d'être voisin d'un copain de Dieu le Père. Oh, Seigneur. Que le 92e se prépare à avancer! Une prise avant l'attaque, Oxbridge? Oh, que ce tabac est fort, Ponsonby. Oui, hélas, on n'en trouve plus. Mon père nous en avait légué un quintal, et c'est tout ce qu'il en reste. Un vieux juif d'Alexandrie faisait ce mélange. Ce mélange?
Mon père, le pauvre cher homme, a été tué par les Français. Ça n'aurait pas dû arriver. Son cheval s'est enfoncé dans un champ labouré et il n'a pas essayé d'en sortir. Mon père a été tué par 7 lanciers comme un tigre dans un piège. Pas de chance, hein, Uxbridge? Non, pas de chance. D'autant moins Uxbridge, qu'il avait 400 chevaux qui étaient meilleurs. La brigade Bailand est enfoncée. Colmatez la brèche, je vous prie. L'heure est venue de lancer la cavalerie. À vos ordres, votre grâce. Gordon, menez vos bâtards au sommet de la crête. Je vais amener le reste de la brigade. Non, inutile de vous dépêcher. Mes garçons contiendront les Français en vous attendant. Bien. En avant et pas de quartier. Le 92e prêt à l'attaque! Gardez en réserve l'artillerie! Wellington n'a rien d'autre à m'offrir que ses Amazones. Les hommes sur des chevaux gris sont terrifiants. Ce sont les plus grands cavaliers les plus mal commandés d'Europe. C'est possible. C'est possible. Mais nous le reposerons nos meilleurs lanciers.
quartier. Chargez sur les batteries. Sonnez le ralliement. Mettez fin à ce bruit inutile. Vous allez vous épuiser. Sauvez votre peau. Marchez au canon, je vous en conjure. Vous avez le tiers de l'armée du Nord, votre devoir. Ne prétendez pas me dicter mon devoir, général Gérard. J'obéis aux ordres donnés par l'empereur qui me prescrivent de poursuivre l'armée de Blücher. Si vous vous refusez à vous rendre du côté de la canonnade, autorisez-moi à y aller. Si je fractionnais mes forces, ces fractions manqueraient d'appui. Ce serait une faute militaire impardonnable. La Védoyère ! Oui, sire. Qu'est-ce qui bouge là-bas? Sire, je vois une importante colonne en marche. De 5 ou 6 000 hommes environ. C'est exact. Je vois aussi des chevaux. Des chevaux? Des chevaux de qui? Des Français ou des Prussiens? Les Français de Grouchy, ils sont en bleu. C'est ce que nous redoutions. Il est sur notre flanc. C'est peut-être l'uniforme noir des Prussiens. Hé, vous qui êtes jeune, de quelle couleur sont-ils? Oui, votre grâce. Je crois... Les Prussiens. Il n'y a aucune nécessité à ce qu'on sache que ce sont les Prussiens. Il vaut mieux laisser croire que c'est Grouchy qui survient et que les Prussiens sont sur la Lune. Oui, sire. Wellington fait la guerre d'une nouvelle manière. Il se bat assis sur son derrière. Il va falloir le faire bouger. Où est le maréchal Grouchy? La Haie Sainte. Celui qui prendra la ferme gagnera la bataille. Attaque. Ah.
rapprocher. J'ai besoin de ces hommes. Où est Grouchy? Pourquoi est-ce que je dois tout faire moi-même? Sire, sire, vous êtes blessé? Sire, permettez à votre médecin de vous conseiller de quitter le champ de bataille. Sire, vous avez besoin de vous reposer au moins une heure. Je me porte très bien, ce n'est que l'estomac. Je vais très bien, je vais très bien. Quel destin. Après Austerlitz, j'ai dit que j'allais avoir enfin 6 bonnes années tranquilles. Mais il y a 10 ans de ça. Et j'ai fait 9 campagnes en 10 ans. Vous m'écoutez? Avec passion. Plus de ce monde. Que pensez-vous que la postérité dira de moi? Elle dira que vous avez reculé les limites de la gloire. C'est tout ce que je vais léguer à mon fils. Les limites de la gloire. Il est en train de concentrer sa cavalerie. L'infanterie n'a pas encore bougé. Une fumée sans feu. Qu'a-t-il en tête? Ah, quel pilonnage, messieurs! Oui, votre grâce! Lord Hay. Votre grâce? Allez transmettre un ordre. Le général Lambert va reculer de 100 pas et se placer entre les contrepentes. Mais votre grâce... Faites ce qu'on vous dit! Nancy, donnez l'ordre à l'armée de reculer de 100 pas. L'armée doit reculer de 100 pas! Le 27e prendra position derrière les Gordons! Général, c'est pas recommandé de rester sous un arbre quand il y a un orage qui pète. Ça attire la foudre. Je tiendrai compte de votre conseil, impertinent. Wellington part en retraite! Wellington va en retraite! Mignon, suivez-moi! Nous sommes avec vous! Chargez! Trompette, sonnez la charge! Chargez! Je vous suis!
Qu'est-ce que fait le maréchal Ney? Je ne pourrais pas quitter le champ de bataille d'une minute. Pourquoi agit-il de la sorte? C'est insensé de prendre l'offensive avec la cavalerie sans le soutien de l'infanterie. Est-ce que vous êtes devenu fou? Chalmers réclame l'infanterie. Le général Lambert a besoin de renforts à Hougoumont. Malheureusement, je n'ai à offrir au général Lambert que mes vœux les meilleurs. Nancy, envoyez cette batterie en direction d'Hougoumont. Quelle heure est-il? Il doit être environ 6 heures, sire. Bon. Dites aux députés qu'à 6 heures, oui, nous avons enfoncé l'armée anglaise. Oui, oui, sire. Et que nous avons gagné la bataille. Non, non. Dites que nous avons remporté la victoire, que nous avons gagné la guerre. La ferme est tombée, votre grâce. Toute résistance est vaine. J'ai l'impression, à Uxbridge, que la bataille est perdue.
Donnez-moi la nuit. Ou donnez-moi Blücher. Wellington est battu. Il est saigné à mort. Maintenant, il faut faire avancer la garde. Marchons sur Bruxelles. Vous allez plus loin, vous risquez de vous faire tuer. Un général ne devrait mourir que sur le champ de bataille. Retirez-vous, sire. Je vous en prie. Sire. Sur la gauche. Pardon? Je veux regrouper ce qui nous reste. Ici! Ici! Ici. Toutes les brigades et tous les bataillons, ici! Mettez tous les canons en batterie. Tous les canons. Oui, votre grâce. Il ne reste à nos garçons que 5 cartouches par homme, Wellington. Bon, alors ils tiendront. Si le maréchal Blücher n'arrive pas tout de suite, je vais sûrement me faire battre à plate couture. Alors prenez-en de la graine. J'ai peur que ce soit si difficile. Je suis l'homme le moins doué du monde pour l'agriculture. Les Prussiens sont dans les bois. Quelle faute j'ai commise en ne brûlant pas Berlin. Allez, brandissez vos drapeaux noirs, mes enfants. Pas de pitié. Pas de prisonniers. Je tuerai de ma main quiconque aura pitié d'un Français. En avant! Oh,
restez-vous tous ici comme des enfants terrorisés? Qu'est-ce qui vous paralyse? Conduisez-vous comme des soldats. Envoyez mes ordres à Grouchy. La Bédoyer. Les Prussiens arrivent trop tard. Vous entendez? Trop tard. Wellington est battu. Vous ne comprenez pas cette évidence? Wellington est battu. Ayez confiance. Je me suis trouvé dans la même situation à la bataille de Marengo. À 5 heures, la bataille semblait perdue. Mais je l'avais à nouveau gagnée à 7 heures. Les Prussiens, vous les trahissez. Taillons-les en pièces. Taillons-les en pièces. En avant. Est-ce qu'il faut que je me batte tout seul? Suivez-moi. Êtes-vous français? Suivez-moi. Venez voir comment meurt un maréchal de France. Une heure et nous les battrons. Alliez-vous à moi. Je suis le maréchal Ney. Ney, maréchal de France. Monsieur le maréchal, les Prussiens sont là. Sacrebleu, Hagbridge. Vous n'avez jamais vu jusqu'ici 30 000 hommes à la fois courir aussi vite. Que toute l'armée avance! Dans quelle direction, votre grâce? Eh bien, mes droits devant elle, bien entendu. Votre grâce, je crois que j'ai perdu une jambe. Par Dieu, général, c'est exact. Emmenez-le à l'arrière. Ici, sur le champ de bataille, au milieu de mes soldats! Sire! Portez, sire! Il ne faut pas que l'ennemi vous atteigne! La France a besoin de vous, sire! Sire, la bataille est perdue! Nous mourrons pour vous sauver, sire! Où est Grouchy? Où est Grouchy? Une véritable boucherie, votre grâce. Si Dieu m'entend, j'ai livré ma dernière bataille.
courageux Français. Vous avez fait tout ce que l'honneur exigeait. Sa grâce, le duc de Wellington, souhaite vous épargner la vie. Est-ce que vous consentez à vous rendre ? Merde ! La garde mort et ne se rend pas !
après une bataille perdue, ce qu'il y a de plus triste au monde, c'est une bataille gagnée. Sire, quittez ce champ de carnage. Vous enchaîneront comme Prométhée sur un rocher, et le souvenir de votre gloire vous rongera.